Ibrahim Ansoy Diallo, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été arrêté par la police ce mercredi 30 novembre 2016. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Oui, tout est parti. Vous savez, on a reçu un appel d'un confrère qui nous a dit que tout ça n'allait pas au stade de la mission, qu'il y avait de la bousculade, qu'il y aurait eu même un cas de mort. Et donc, je suis allé au stade de la mission à la demande de la direction de guinemattin.com pour m'informer. Et arrivé sur les lieux, j'ai commencé mon reportage parce que je filmais. Les agents de la police sont venus vers moi et ils ont commencé à me rouer des coups. Et un des agents a retiré le téléphone et il m'a embarqué à bord d'un camion de la police, c'est la CMS de la sûreté. Et donc, je lui ai dit non, je suis journaliste, laissez-moi descendre. Je suis venu à la recherche de l'information. Mais il n'a pas accepté. Et quelques minutes après, un autre agent de la police est venu. Je lui ai dit, non, vous voyez, on m'a embarqué à bord du camion alors que je suis un journaliste et j'ai été malmené par vos collègues. Et après, il a intimé son collègue, il lui a dit non, de me restituer mon téléphone portable. Et j'ai pris le téléphone. Entre-temps, j'ai appelé le directeur général de Guinée-Matin, M. Nour Badé. Et après, il m'a dit d'accord, il a essayé lui aussi, il était vraiment inquiet, il a commencé à appeler. Et après, quelques minutes après, les agents de la police m'ont dit non, que nous devons aller à leur poste de police, au CMS, comme je vous l'ai dit tantôt, sise à la sûreté. Et après, quelques minutes après, à la police, j'ai fait au moins 30 à 40 minutes là-bas. Entre-temps, toujours le directeur de guinemattin.com a appelé un haut responsable de la police qui, après quelques minutes, est venu, en tout cas, m'a fait libérer. Mais c'est des choses à déplorer. Comment est-ce qu'on peut accepter? Comment est-ce que des agents de la police qui sont censés sécuriser la population, et particulièrement les journalistes, parce que nous sommes là, nous n'avons pas de parti pris. Nous sommes là à la recherche de l'information. Et donc, c'est déplorable. C'est déplorable. Je condamne cet état de fait avec la dernière énergie. C'est ce qui s'est passé. Merci.